Toujours dans le plus pur respect de la tradition, la Vespa Primavera S125 reçoit de nouveaux équipements pour concorder avec son époque. Éclairage full LED, nouveau coloris mat, ouverture du coffre à distance, nouvelle roue 12 pouces ou bien encore écran TFT 4,3 pouces avec connectivité au smartphone, Piaggio nous régale. Mais cette nouvelle mise à jour suffira-t-elle à justifier son tarif élitiste? Vincent nous répond sans langue de bois. Bon, je vous mentirais si je vous disais que ça fait depuis les années 50 que je roule en Vespa, mais en tout cas j'en ai roulé un bon nombre. Et là plus aucun secret pour moi, mais c'est toujours un plaisir d'en reprendre le guidon. Et aujourd'hui encore, avec cette Vespa Primavera S, dernier millésime. Donc il y a des petites choses qui changent dessus, alors c'est pas dingue, hein, mais on a un éclairage full LED, hein, donc projecteur avant, feu stop et clignotant y compris. On a cette nouvelle planche de bord, donc, c'est un écran TFT couleur 4,3 pouces. On a donc la connectivité avec le smartphone qui permet de gérer les musiques qu'on écoute dans son casque s'il est prééquipé évidemment. Hein, donc on utilise la commande de navigation pour passer d'une musique à l'autre. On peut également être averti quand on reçoit un texto. Donc on a le numéro qui s'affiche et c'est également valable pour les appels en absence. Et puis sinon à côté de ça, donc je retrouve la Vespa 125 et toute sa fougue. Hein, donc on a un moteur 4 temps à 3 soupapes qui est assez nerveux dans les bas régimes, malgré Euro 4 hein, qui a pas mal pénalisé les petites cylindrées. Je trouve qu'on conserve de l'agrément. En revanche, là où ça pêche, c'est au niveau de la vitesse maxi. Hein, tout à l'heure encore. J'étais sur autoroute et sur le compteur on n'affiche pas plus de 100 en vitesse réelle, on est en dessous des 100 km/h, on doit être à 95 km/h, donc c'est un peu just. Donc pour ce qui est du freinage, c'est vrai que ça m'est arrivé de le dire pas suffisamment progressif, et en fait il faut simplement apprendre à l'apprivoiser. Et alors effectivement les leviers sont toujours un peu trop éloignés, ça c'est toujours regrettable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ABS qui est placé sur la roue avant. Et alors franchement, pour le déclencher, il faut y aller. Hein. En ce qui concerne les suspensions, bon ben c'est toujours aussi ferme, c'est un peu sec. Mais alors du coup, on bénéficie d'une tenue de route phénoménale. C'est fou. Ce que j'aime bien aussi, c'est que même dans les hautes vitesses, dans les hauts régimes, on n'a aucune vibration, ni au niveau du marchepied, ni au niveau de la selle. Voilà, donc cette Primavera continue de faire perpétuer la légende, vraiment avec brio, mais par contre, ça reste quand même pas donné. Et pour moi, c'est pas réservé à tout le monde de rouler en Vespa. Mais du coup, c'est ça qui fait son charme. La Vespa Primavera S s'est offert le peu d'équipement qui lui manquait. Certes, elle fait l'impasse sur quelques aspects pratiques, comme une béquille latérale, ou bien encore une commande de feu de détresse, mais elle répond avec des arguments forts comme un freinage puissant assisté d'un ABS efficace, un régime moteur éveillé, ou bien encore une nouvelle planche de bord connectée au smartphone. En outre, son design intemporel est sublimé par un nouvel éclairage full LED, ainsi qu'une cravate restylée. 4299 euros, ce sont les économies qu'exige la belle, et finalement, elle les mérite bien.